tous et à tous, ici Dougie 11 pour l'épisode 2 de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013. C'est parti. Alors, on va commencer par prendre la moissonneuse parce que dans cette vidéo-là, on va moissonner les champs. Donc c'est parti, on va se diriger vers le champ à moissonner. Et on va commencer à moissonner bien sûr. Sinon ça ne sert à rien de prendre la moissonneuse. Donc voilà, on est parti. Oui. Il aurait dû mettre un petit peu plus de turbo à cette moissonneuse quand même, parce que la vitesse, là, elle y est pas trop. Hein. Désolé s'il y a quelques petits coups de lag, je ne sais pas ce que c'est. Tout à l'heure, ça buguait pas toujours au même endroit, c'est fou, je me cogne toujours au même endroit. Et voilà. Tac, si je vais en arrière comme ça, tac. Si je repars tout droit comme ça. Voilà, donc voilà, c'est passé. On va actionner tout ça vite fait. Donc voilà, ça moissonne. C'est parfait. On va essayer de tenir ça bien droit. Et oui, je voulais vous parler que... Pour les carrières sur Farming Simulator, je risque peut-être de les faire en multijoueur justement. Je ne sais pas encore. Si je le ferai, je sais pas si je ferai en fait la carrière suivie en multijoueur ou je créerai une nouvelle partie où je ferai en multijoueur, ça je sais pas. Mais pour la carrière suivie en multijoueur, j'attends quand même d'avoir un nombre assez élevé un peu comme d'abonnés. Comme ça je demanderai aux abonnés s'ils veulent qu'on fasse une petite carrière en multijoueur. Moi ça me dérange pas, franchement c'est ça me dérange pas du tout hein, de faire un multijoueur. Ils vont juste envoyer un message sur YouTube et voilà. S'ils m'envoient un message YouTube avec leur Skype, je les ajoute directement et dès que je les aurai ajoutés, je trouve un petit temps avec eux où ils sont libres et moi aussi pour qu'on puisse faire cette partie en multijoueur et qu'on puisse si c'est sur la carrière suivie que j'ai tente de filmer et tout ça, mais s'ils veulent aussi on peut faire une carrière, on peut faire en multijoueur comme ça juste pour le plaisir sans faire de vidéo sans rien. Ça après c'est comme ils veulent, moi perso ça me dérange pas, c'est pas la carrière suivie, ça me dérange pas, ils m'aident à jouer, j'ai envie de dire que je connais bien le jeu, mais ils vont m'aider à moissonner, faire les ronds, enfin les balles, excusez-moi pour le terme les ronds, faire les balles carrées ou rondes. Voilà, ils peuvent m'aider, donc j'y vais, moi franchement ça me pose aucun problème, justement ça peut même venir en aide justement, et on peut proposer un peu plus de contenu déjà, parce que franchement je vais pas vous mentir, hein, je vais pas passer... Je vais pas faire deux vidéos juste en moissonnant, parce que en plus la moissonneuse elle est toute petite là. Je vais pas. Cette vidéo là, on va dire, elle va durer 15 minutes. 15-20 minutes. La prochaine vidéo, je vais faire quelque chose, on aura pas fini, ça c'est sûr. Mais dans la prochaine vidéo, je pourrais pas faire dire comme ça. Donc voilà. C'était le petit point que je voulais vous parler de farming. Après j'avais aussi un truc à vous dire, c'était sur l'épisode 1 justement de farming où je me suis trompé en fait, dans l'intro j'ai mis farming 2012 quand c'est farming 2013. C'est pas très grave, mais bon quand même, pour ceux qui veulent acheter le jeu et qui voient ma vidéo et qui voient quand même qui voient 2012, ils vont se dire on veut jouer acheter 2012 et quoi, ça n'existe pas, 2012 il n'existe pas. Donc voilà. Donc j'ai parlé du multijoueur. Voilà, c'est cette vidéo là, je vais la consacrer à la maison. On va moissonner ce champ là, on l'aura pas fini comme je vous l'ai dit déjà. Ça c'est sûr, vous voyez comme il est géant. C'est sûr qu'on l'aura pas fini, mais bon. Je dis souvent ça, si on ne finit pas aujourd'hui, on se terminera pour l'épisode 3. Non, 4. Parce que l'épisode 2, justement, je vais changer un petit peu. Je compte faire des balles. Je vous dis déjà qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. C'est pour changer un petit peu justement, je vais faire des balles. Donc
Là, je vais moissonner un petit peu, j'ai assez pour faire des balles. Bientôt, il faudra aller vider la moissonneuse. Ouais, voilà. Donc, en plus, c'est déjà la deuxième fois que je recommence l'épisode 2. C'est déjà la deuxième fois parce que la première fois, j'ai eu un problème de micro. Ma voix, elle buguait un petit peu en fait. C'est pas qu'elle buguait, c'est que on l'entendait pas du tout. Donc, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai supprimé la vidéo et. Et ben voilà, là je suis en train de la refaire. Donc c'est déjà la deuxième fois que je fais celle-là. Donc voilà. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous parler. Là, 84% de temps, on va devoir les vider. Il faudra qu'on aille chercher la remorque plus un tracteur. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Non, la remorque, je crois savoir parce que souvent j'ai déjà vu quand on allait. Moi j'ai fait la première épisode, je crois que j'ai déjà vu quand. Ouais, c'était comme ça donc voilà voilà je commence à aller un peu de travers on ouvre la buse. Voilà. Donc on a ouvert la buse. On va aller chercher le petit tracteur. On va aller chercher la petite remorque qui est voilà. Voilà. Voilà, elle est là. Oh. Vous avez vu ça? Je me suis cogné. Bref, pas grave. Allez, on va prendre la petite remorque. Tac. Et on va aller vider la petite moissonneuse. Je crois que j'allais me cogner encore. Parce que j'ai une chance avec. Oh non, 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 non. Ok, pas que ça. Non, voilà. Merci, merci, merci. Donc, je sais pas si j'ai du beau côté. Si, 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 je peux passer par là. On va tourner à droite. Voilà. On vide la moissonneuse. Allez, vite tout, vite tout, vite tout. Je crois qu'on va la remplir encore une fois et après on va s'arrêter là, hein, parce qu'on aura assez déjà pour faire les balles. C'est pas comme je vous ai dit, les vidéos, je vais pas les commencer à les faire super longues. Je vais commencer à les faire petites. Pour après peut-être qu'elles soient beaucoup plus longues après. Mais vu que là c'est que le début en fait, c'est mon début à moi. Donc je vais pas commencer à m'amuser à faire des vidéos d'une heure. 1h30, 50 minutes, voilà. Non, je vais commencer à faire plus la petite, c'est-à-dire 15-20 minutes. Pas 5, parce que 5, je n'avais pas le temps de montrer grand-chose, donc voilà. Alors, on se met comme ça. Et voilà. Je vous ai parlé un peu de tout ce que je voulais vous parler. Voilà, cette vidéo là quand je viens de commenter, elle sera en ligne ou soit le 24 décembre ou soit le 25 décembre. Je sais pas quand j'aurai le temps de la mettre parce que j'ai déjà le 24, j'ai déjà le retour que Simulator 2, épisode spécial Noël à mettre. Justement, je sais pas si je vais avoir le temps de faire le montage, parce qu'après j'ai mis sur YouTube, enfin, je sais pas si j'aurai le temps des vidéos, donc si j'arrive pas à la mettre le 24, je la mettrai le 25, ça c'est sûr. Et vous aurez aussi la carrière suivie sur Euro Truck Simulator 2, l'épisode 5 qui va aussi sortir très prochainement. Donc on va continuer à cultiver, à moissonner ce champ cultivé. Je suis déjà parti loin, mais.
Vous voyez comme il est grand, il va jusqu'à là-bas aux arbres. Il est énorme de chance. Et avec une petite moissonneuse comme ça, ça va. On va pas aller très loin, ça je vous dis. On va pas aller très loin. Donc je cherche sur internet une moissonneuse que j'ajouterai dans le jeu. Comme ça, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite, j'ai envie de dire, oui, largement plus vite. Et à la limite, attends de s'endormir hein, pour faire tout le terrain. Donc, chercher un mode qui puisse faire que ça aille plus vite, qu'il y ait plus une grande barre de coupe, un plus grand réservoir, parce que là on est pas 40 déjà. On a moissonné deux lignes même pas. En plus il y a les collisions sur cette map là, donc c'est un peu galère dans l'outil. C'est surtout dans les gros poteaux les collisions. Donc, voilà. Ouais, je crois qu'on a déjà assez de lignes pour faire des balles quand même. Ouais, on va pas faire 4 000 lignes non plus. Je crois qu'on en a assez, je crois. Je ne suis pas sûr, bien sûr. On continue tout doucement. Allez. 57%, ouais, non, pas longtemps, Après cette. Après l'avoir rempli, on va arrêter la vidéo, comme je vous l'ai dit. Et je reprendrai dans le prochain épisode. Avec le truc pour faire les balles. Non, je vais faire des zombies. Ouais, j'ai dû faire un petit zombie. Voilà, deux petits zombies. Pas grave, c'est Noël, c'est pas grave si on fait des oublis. On continue. Donc voilà, je vais parler d'un peu de tout ce que je devais vous parler. Je vais parler d'un film. Voilà, c'est parti pour la moisson. Voilà, si on moissonne, donc voilà. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là je viens de regarder par la fenêtre. Il y a du vent, il pleut. Et il fait froid en plus, il fait froid. Ça donne pas envie de sortir dehors ça. Là, pour acheter les cadeaux de Noël, ça donne pas envie. Mais ça donne plus envie de rester chez moi au chaud, à faire des vidéos. À faire des vidéos tranquillement. Et puis voilà. Donc je crois que ça va me servir que pour cette dernière petite ligne là. Je crois. Ouais, c'est ce qu'on avait déjà à 90. Ouais, c'est ça. Ouais, je me demande si on aura le temps d'arriver là-bas au fond. Si on pourra arriver là-bas au fond et faire demi-tour. Un tout petit demi-tour quand même là, peut-être. Je ne sais pas. Pour l'instant, on roule 95, 96. Non, c'est rempli quand c'est rempli. C'est pas pressé, hein. Il faut prendre son temps. Bon, voilà. On ouvre la buse. On va chercher. Petit tracteur pour aller vider. Ouais, on a assez de lignes pour faire les petites balles derrière. Ça va. Bon les amis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Farming. Au revoir tout le monde.